Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon papa et de mon enfance un petit peu, parce que mon enfance m'a marqué à vie, comme toutes les enfances de tout le monde. Et puis surtout, une chose dans mon enfance m'a marqué, et encore aujourd'hui, j'en suis complètement dingue, c'est Noël. 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 Hein, déjà, quand on dit Noël, il y a plein d'étoiles dans les yeux qui scintillent. Noël, Noël. J'ai toujours été en pleine osmose avec la connerie, moi. Non, mais c'est vrai. Et Noël, j'adore. J'adore Noël. Comme quoi, on peut avoir des idées un petit peu, ouais, et puis adorer Noël. J'adore. J'adore. Quand j'étais petit, je pouvais regarder des heures le sapin de Noël qui s'allumait, s'éteignait, s'allumait, s'éteignait, s'allumait, s'éteignait. Vous me direz, c'est aussi con que la télé, mais à l'époque, la télé, je l'avais cassée en essayant de faire la même chose. J'allumais, j'éteignais, j'allumais, j'éteignais. J'éteignais. Et toujours à minuit, ça ne loupait pas. Il y a mon père, il disait toujours la même chose. Il disait, oh, je vais remettre du bois dans la chaudière à fioul. Hein. Et hop. Et il descendait au sous-sol parce que la chaudière à fioul, elle se trouve au sous-sol. Et 5 minutes après, ça ne loupait pas, il y a le Père Noël qui arrivait. Vous voyez donc le Père Noël, comment il était habillé, hein, tout en rouge et blanc, avec des lunettes de soleil, enfin le Père Noël, quoi. Et le Père Noël, il disait toujours la même chose. Je vous le fais. Oh, Nénène! Nénène! Il est où le gosse, là? Parce qu'on étouffe là-dessous, hein? Ah, c'est pas toi qui as tout, et moi je suis comme une vache, hein. Il est où le gosse, hein? Ah, c'est bon, je l'ai vu. Les gamins, on le gosse! Et bien là! Le gamin, il a peur. Je te jure, il fait dans sa culotte. C'est bien Noël! Bien Noël! Bien Noël! Hé! Nénène, le gamin, il chante! Il chante! Ah, c'est bon de rire! Mais arrête de chialer, toi aussi, en ce moment! Attends, quelle famille de cons, c'est pas possible! Hé, c'est Noël, humour! Arrête de chialer, toi, je suis Père Noël! Il est gentil, le Père Noël! Il est gentil, le Père Noël! Bon, on rigole, mais. T'as été sage. Oui, j'ai des sages. Ben, c'est bien. Faut être sage. C'est bien. T'as aidé ta maman à faire la vaisselle. Hein? C'est bien. C'est très bien, ça. Et aller à l'école, ça va? L'école, ça va? Ben, oui. L'école, ça va bien? Ben, c'est bien. Tout va bien, quoi. Hein? Dans le meilleur des mondes. Hein? Tout va bien, madame la marquise. Hein? Oui. Pas de problème. Tout est bien. Ça va, quoi. Et en maths! Je te demande si en maths, ça va! Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Et tu crois que c'est assez, ça, un petit peu? Et là, le Père Noël, il me balançait les cadeaux à travers la gueule. Et il disparaissait. Et 5 minutes après, ça ne loupait pas. Il y a mon père qui revenait et il disait toujours la même chose. Je vous le fais. Nénette, le gosse, venez voir. J'étais en bas, je remettais du bois dans la chaudière à fioul. Parce que, tout d'un coup, j'entends du bruit. J'entends du bruit. Et moi, j'en connais ma maison. Je la connais comme si je l'avais faite. D'ailleurs, je l'ai fait. Et je me suis dit, il y a quelqu'un dans la maison. Il y a quelqu'un qui est venu. Il y a quelqu'un qui est venu. Je connais ma maison. Hein? Hein? Quoi, gamin? Quoi, le gosse? Le Père Noël est venu? Nénène, le gosse, il croit que le Père Noël est venu. Hein? Le Père Noël, il est venu. Oui, c'est bien. Et lui, on rigole, mais. Le Père Noël. T'aurais rien dit par hasard. Oh, je te cause. Le Père Noël, t'as pas parlé? Ouais, le Père Noël, il va pas prendre le temps de parler avec
tous les enfants, parce que sinon, il n'aura pas le temps de distribuer tous les cadeaux, et puis il y aura plein d'enfants malheureux. Ah bon? T'aurais pas dit, par hasard, qu'il fallait que tu travailles un petit peu plus en maths? Alors, tu vois qu'il n'y a pas que moi qui te dis. Et toute la magie de Noël s'est évaporée le jour où je me suis rendu compte que le Père Noël avait les mêmes baskets que papa.